Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'histoire à travers 16 faits surprenants. Il y en aura sur l'Antiquité, sur la Révolution, sur le Moyen-Âge, etc. Cléopâtre est plus proche de la création de ChatGPT que de la construction de la pyramide de Khéops. En effet, Cléopâtre a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc il y a environ 2150 ans actuellement, tandis que la Grande Pyramide a été construite vers 2560 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que sa construction remonte à 2500 ans avant la naissance de Cléopâtre. D'ailleurs, ça veut dire que lorsque Cléopâtre était reine d'Égypte, eh bien la construction de la pyramide de Khéops était encore plus vieille que l'assassinat de Jules César pour nous. Mais justement, pour parler de Jules César, ce dernier n'a jamais connu l'Empire romain. En effet, l'Empire romain fut créé en moins 27 par Auguste, alors que Jules César est décédé en moins 44. Ça veut dire qu'il est mort 17 ans avant la création de l'Empire, et donc il n'a jamais pu connaître eh bien, la création de l'Empire, et il n'a jamais pu vivre à cette époque. Lors de son règne, donc entre 69 et 79 après Jésus-Christ, Vespasien a mis différentes taxes en place, notamment une taxe sur l'urine. D'ailleurs, c'est de là d'où provient le terme vespasienne, qui désigne des toilettes publiques. Mais pour revenir à Vespasien, lorsqu'il a parlé de cette idée à son fils Titus, ce dernier lui a dit que c'était quand même assez dégueulasse de faire ça, et Vespasien lui a fait comprendre eh bien, que l'argent restait de l'argent, peu importe sa provenance. Et d'ailleurs, de cette histoire provient la phrase « l'argent n'a pas d'odeur ». Toujours par rapport aux taxes, au Moyen-Âge, le sel était taxé, et ça a donné le terme « salaire ». Et d'ailleurs, de la même manière, on retrouve aujourd'hui le terme « solde », donc par exemple pour les soldes d'été, ou alors pour désigner un salaire, justement, et donc ce terme provient du mot « solidus », qui était une pièce de monnaie romaine en or. Selon la légende, lorsque Jules César est arrivé en Égypte, Cléopâtre a voulu le rencontrer et donc pour pouvoir le faire sans être reconnu, elle a été amenée dans la tente de Jules César cachée dans un tapis. Ça lui permettait donc de rencontrer Jules César et ce de manière discrète. Les Spartiates mettaient en place différentes formations militaires qui permettaient de déterminer votre niveau. Évidemment, il y en avait certaines qui étaient plus ou moins dures et l'une des plus dures était nommée la Cryptie. En fait, pour réussir cette formation, eh bien vous étiez lâché en plein milieu des bois, enfin en pleine montagne, vous n'aviez avec vous que quelques vêtements, surtout pas d'habits chauds, évidemment, et vous n'aviez surtout qu'un seul couteau et un petit peu de nourriture. Le but de la mission était d'aller tuer un ou plusieurs ilotes, et donc évidemment, ici, ça permettait de montrer votre bravoure, votre expérience au combat, etc. Après, je le précise, mais cette formation n'était ici proposée qu'aux plus forts des Spartiates, et donc aux personnes qui étaient les plus dignes de confiance. Sous l'Empire romain, les gladiateurs n'étaient jamais tués pendant les combats. Vous savez, on a tous ces passages de films où on voit un empereur qui soit lève son pouce, soit baisse son pouce, pour signer ou non l'arrêt de mort d'un gladiateur, eh bien c'est totalement faux, et ça a été inventé uniquement par le cinéma. En fait, à l'époque, les gladiateurs étaient des personnes célèbres, et surtout, en fait, c'était des sortes de superstars. C'était un petit peu comme John Cena actuellement, ou encore Conor McGregor, et donc, l'un comme l'autre, vous n'allez pas leur proposer un combat jusqu'à la mort, ce qui est logique. À l'époque, c'était évidemment la même chose, donc il n'y avait pas de combat jusqu'à la mort. Il y en avait, mais uniquement pour les animaux, voire potentiellement pour quelques esclaves, il me semble, mais du moins, pas pour des gladiateurs qui étaient connus. En 1743, Louis XV va faire construire un ascenseur à Versailles. Alors cet ascenseur était nommé chaise volante et c'était une sorte en fait de monte-charge. Le but ici, eh bien c'était tout simplement que ses maîtresses puissent rejoindre le roi et surtout de manière beaucoup plus discrète. Donc voilà, c'était probablement l'un des premiers ascenseurs au monde. La guerre de 100 ans n'a pas duré 100 ans mais 116 ans. En fait, elle a commencé en 1337 jusqu'en 1453 et a opposé la France à l'Angleterre. Je vous passe tous les détails, etc. Mais il y a eu un moment où en fait le roi d'Angleterre était donc roi d'Angleterre mais pouvait potentiellement devenir roi de France. Donc évidemment, ça posait quand même quelques soucis et le roi de France n'était pas d'accord avec ça. Donc ça fait qu'il y a eu des tensions entre les deux royaumes et donc une guerre a éclaté. D'ailleurs, on dit guerre, mais pendant les 116 ans, ce n'était pas la guerre constamment, il n'y avait pas des combats constamment, il y avait certaines périodes de calme, il y avait même des trêves. C'est un peu comme aujourd'hui avec la Corée du Sud et la Corée du Nord, les deux pays sont encore officiellement en guerre, mais pour autant, eh bien, ils ne sont pas en combat direct. Oui, on a de temps en temps le poteau Kim qui va envoyer quelques cadeaux, on va dire, à la Corée du Sud, mais pour autant, les deux pays ne sont pas en combat direct. Même si la guerre est toujours officielle entre les deux. Vous le savez probablement tous, mais au Moyen-Âge, il y a eu l'une des épidémies les plus meurtrières, si ce n'est l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire, qui était la peste noire, donc la peste bubonique. Cette dernière a quand même tué un tiers de la population de l'Europe, ce qui veut dire eh bien, qu'une personne sur trois est décédée de la peste à cette période. Donc, pour mettre ça en perspective, ça veut dire qu'avec le Covid, on s'en est quand même bien sorti. Peu avant la Révolution française, la guillotine a été inventée, et c'était un moyen un peu plus humain, disons, eh bien, d'exécuter les personnes. En effet, à l'époque, lorsqu'une personne était condamné à mort, eh bien ça se faisait soit par pendaison, soit par coup de hache, et cette deuxième solution était clairement pas la meilleure, parce qu'en fait pour séparer la tête du corps, eh bien la plupart du temps il fallait plusieurs coups.
Et non, il n'y a pas de jeu de mots. Et non, ça veut dire que de manière humainement, et même pour regarder ça, eh bien c'était pas la meilleure solution. Donc on a Guillotin qui a créé la guillotine. Et d'ailleurs, l'invention de la guillotine a été supportée par Louis XVI. Ce dernier a pu tester la guillotine quelques années après, et bah, en tout cas, ça marche. Et de la même manière, selon la légende, Guillotin a également testé sa propre expérience, et eh bien quelques années après. Mais en réalité, c'est totalement faux, puisqu'il est décédé chez lui de maladie. Retour au Moyen-Âge avec une épidémie, ici les épidémies d'enceinte. En fait, il arrivait un certain jour qu'une ou plusieurs personnes se mettent à danser, mais sans s'arrêter. Donc il ne buvait plus, il ne mangeait plus, il ne dormait pas, il ne faisait plus rien en fait, à part danser, et ce pendant des jours et des jours, ce qui fait eh bien que ça se terminait la plupart du temps par la mort de ces personnes. Et au fur et à mesure des jours, eh bien la plupart du temps, ils étaient rejoints par d'autres personnes, et ceci pouvait durer plusieurs semaines. Alors on n'a pas d'explication logique par rapport à ça, on pense que c'était une sorte de maladie, par exemple une bactérie dans la farine qui rendait fou les personnes, mais voilà, du moins actuellement, on n'a pas de réelle explication à ce sujet. Au Moyen-Âge ont été inventés les escaliers en colimaçon, et c'était une invention assez importante. Déjà, ça permettait un gain de place immense, puisque ça évitait eh bien d'avoir des escaliers en long qui prenaient une place pas possible, mais également, eh bien, ça permettait d'augmenter la défense, notamment des châteaux. En effet, les escaliers tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre, et la plupart des gens au Moyen-Âge, comme aujourd'hui encore, eh bien, étaient droitières. Ça veut dire qu'une personne qui tenait une épée allait la tenir de la main droite. Sauf que dans un escalier en colimaçon qui tourne vers la droite, eh bien, c'est très compliqué de manœuvrer une épée, de donner des grands coups, donc bref, d'attaquer. Et dans ça, évidemment, ça donnait un avantage immense dans les châteaux. Également au Moyen-Âge, la plupart des villes étaient entourées de murailles. Ces murailles étaient fermées à la nuit tombée et étaient réouvertes lorsque le soleil se levait. Ici, c'était pour des raisons de sécurité, notamment pour éviter les invasions durant la nuit. Alors le problème de ça, c'était que si vous ne rentriez pas avant la fermeture des portes, eh bien vous dormiez dehors, parce qu'évidemment, les soldats n'allaient pas réouvrir les portes à chaque fois qu'une personne souhaitait rentrer. D'ailleurs, lorsqu'une personne se présentait à la porte, le soldat allait lui demander son nom, et en fonction du nom, il pouvait ou non rentrer. Puisqu'en effet, lorsqu'une personne donnait son nom, si ce nom était d'origine locale, eh bien, on considérait que c'était de sa faute puisqu'il était au courant eh bien, des heures à laquelle les portes étaient fermées, et surtout, eh bien, on considérait qu'il n'avait pas trop de chemin à faire, et donc que c'était entièrement de sa faute s'il n'était pas rentré avant l'heure. Et donc, à côté de ça, si jamais vous étiez un voyageur avec un nom qui avait une provenance un petit peu lointaine, et surtout que vous aviez, par exemple, eh bien, marché toute la journée et que vous ne connaissiez pas trop la région, etc., eh bien là, normalement, on vous laissait entrer. D'ailleurs, ça a donné l'expression « avoir un nom à coucher dehors ». La plupart des gens le savent, mais je vais quand même en parler. Les pyramides ne sont pas des monuments, ne sont pas des maisons ou quoi que ce soit, ce sont des mausolées. En fait, c'était les tombes eh bien, des hauts dignitaires, et par exemple, sous l'Égypte antique, eh bien, c'était les tombes des pharaons. D'ailleurs, on dit souvent que Toutankhamon était un grand pharaon, c'est totalement faux, et en fait, on lui donne cette réputation uniquement parce que l'on a retrouvé énormément de richesses dans sa tombe. En fait, pour vous parler rapidement de Toutankhamon, ce dernier, déjà, n'a pas régné très longtemps, une dizaine d'années environ, et surtout, il est mort à 18 ans, donc ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de faire grand-chose, mais donc, par rapport au fait que l'on pensait que c'était un pharaon assez important, eh bien, c'est juste dû au fait que l'on a retrouvé énormément de richesse dans sa tombe, uniquement parce que sa tombe n'a jamais été ouverte. Et justement, c'est probablement dû au fait eh bien, que c'est un petit pharaon, puisque les grandes tombes, donc les tombes des pharaons qui étaient connus et des pharaons qui étaient célèbres, ont pour la plupart été pillées au fur et à mesure des années. Et donc aujourd'hui, il n'en reste aucune trace ou alors pas grand-chose. Mais donc voilà pour ces faits historiques, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse un autre épisode, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire eh bien, quel pays ou quelle période vous intéresserait. Mais donc sur ce, et comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, des centaines de monnaies sont disponibles, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Aussi, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi, ça me soutiendra énormément et vous, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, eh bien déjà, merci beaucoup et puis marquez histoire dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut !